tu joues à Fortnite sur ton PC et tu as un crash qui s'affiche, et ben écoute, j'ai peut-être deux solutions pour toi. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais te montrer deux astuces pour essayer de régler un crash que tu peux avoir sur Fortnite en 2023. Donc c'est simple, il va falloir aller sur ta bibliothèque. Ensuite, tu vas cliquer sur ces trois petits points qui sont ici. On va aller dans la catégorie gérer. Ensuite, vous voyez, là, vous avez vérifié les fichiers. Donc, vous faites simplement vérifier. Il va avoir une mise à jour, une vérification. On va laisser ça faire. Donc, voilà, là, j'ai vérifié. Et vous pouvez ensuite lancer le jeu pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne toujours pas, on a une seconde alternative que je vais vous mettre dans la description. En fait, il va falloir copier ceci dans votre bande de recherche. Donc, pourcentage local app data pourcentage. Ensuite, vous faites ouvrir. Ensuite, c'est simple, vous cherchez tout simplement Fortnite. Donc Fortnite Games. Ensuite, on va aller dans Save. Ensuite, on va aller dans Config, Windows Client. Et là, vous voyez, vous avez un fichier qui s'appelle Gamer User Setting. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de le supprimer. Donc il supprimera tous vos paramètres. Et bien sûr, il faudra certainement vous reconnecter, donc ne perdez pas vos identifiants. Mais ensuite, vous serez capable de relancer l'application correctement. Donc voilà, après l'essai de ces deux solutions, si vraiment tu as encore un autre problème, donc c'est-à-dire que ça ne se résout pas, ou qu'il y a un autre problème qui est survenu, et ben alors là, je t'inviterai à soit aller dans le forum Centraide de Fortnite et à regarder le bug que tu peux avoir avec la phrase qui s'indique, ou alors tout simplement contacter le service client Epic Games pour essayer de trouver une solution avec eux directement. En tout cas, si ça t'a aidé et si tu as pu résoudre, n'hésite pas à mettre un petit merci dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu as une question ou autre, pareil, tu peux laisser un com. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, surtout n'hésite pas à le partager tout simplement avec tes amis ou à d'autres personnes sur Discord. Voilà, en tout cas, c'est tout. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à t'abo et à like. Ciao, ciao l'ami. Bye bye.